Nous sommes souvent demandés si dans l'exercice quotidien de nos fonctions respectives, nous avons toujours placé l'intérêt général au-dessus de nos intérêts particuliers. Combien de fois avons-nous signé un acte administratif avec la pleine conscience que cela ne servait pas l'intérêt général? Mais nous l'avons quand même fait, pour notre propre intérêt. Combien de fois avons-nous fermé les yeux sur un contrat, une convention, un marché dont nous savions qu'il ne servait pas l'intérêt du pays? Mais nous l'avons fait. Combien de fois avons-nous bradé notre patrimoine commun, notre sous-sol, dans des conventions léonines, en ne pensant qu'à nous-mêmes, sans penser au pays, encore moins aux générations futures? Combien de fois? Mais nous l'avons fait. Combien de fois avons-nous, par cupidité, contribué à spolier notre pays au seul profit des grands groupes étrangers? Combien de fois? Mais nous l'avons fait. De ces questions essentielles, nul ne veut parler. Lorsque, en 2007, déjà, Omar Bongo Ondimba, notre président, mon prédécesseur, dans un discours désormais passé à la postérité, posait la même problématique. Il ne s'adressait pas aux gens venus d'ailleurs, de nulle part. C'est à nous qu'il parlait, la classe politique. Classe dirigeante et population gabonaise, chacun à sa place et chacun en ce qui le concerne. C'est nous, Gabonais, qui avons fait Air Gabon. C'est nous, Gabonais, qui avons détruit Air Gabon. C'est nous, Gabonais, qui avons fait le Transgabonais. Mais c'est nous, Gabonais, qui avons détruit le Transgabonais. C'est nous, Gabonais, qui avons fait Africa numéro 1, mais c'est nous, Gabonais, qui avons détruit Africa numéro 1. C'est nous, Gabonais, qui avons fait la fondation Jeanne Bory, l'hôpital pédiatrique Govendo. C'est nous, Gabonais, qui les avons détruits. Blâmer l'autre ne peut en aucune façon nous exonérer de notre propre responsabilité. Certains semble avoir mis un tel acharnement à détruire notre pays qu'on en viendrait à croire quelque part qu'il possède un pays de rechange. Mais nous, Gabonais, Gabonaises, nous n'avons pas de pays de rechange. C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour construire ce pays-là, pour construire notre pays. Nous devons bâtir une nation prospère. C'est notre génération qui doit y arriver, faute de quoi le retard accumulé sera irrattrapable par nos enfants. Honorables députés, vénérables sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs,